Aujourd'hui, dans toute une histoire... Quand j'allais à la boulangerie il y a 20 ans, on m'a dit carrément, sors de ma boulangerie, fille de criminel. Ils ont reçu de leurs parents un héritage lourd à porter. Elle a commandité le meurtre de votre père pour l'argent. Pour l'argent. Mon père était un collaborateur pendant la dernière guerre. Ma mère est prostituée. J'étais là. Quand on est arrivé ici, il est tombé parce qu'il était souvent sous. Et bon, devant les copains, devant les parents et tout, donc j'avais honte de lui. C'est l'étiquette qui vous a collé la peau. C'est une étiquette qui vous reste. Oui. On garde ça pour soi, on ne peut pas en parler. Montrer du doigt, stigmatiser. Quelque part, il faut se protéger, on se protège avec des kilos. On comprend surtout par les insultes lancées par les camarades. Peut-on échapper à la honte? On vous colle la honte alors que vous n'y êtes pour rien. J'ai porté sur mes épaules la culpabilité de ces actes, tout de suite. Elle a dit simplement, il y a des choses qu'on ne peut jamais pardonner. Et elle s'est donné la mort. Public, à mes invités, bonjour à tous, bon après-midi, bonjour. Nos invités d'aujourd'hui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais au contraire avec une épine dans le pied. Cette épine, c'est un père ou une mère qui leur fait honte. Quand on est l'enfant d'un criminel, d'un collabo, d'un caïd, on doit assumer un lourd héritage dont on se serait bien passé. Quand on est l'enfant d'une personne alcoolique, incontrôlable, ou d'une maman qui est prostituée, on doit faire face à des regards difficiles, critiques, inquisiteur, plein d'a priori. Hélène, Sylvie, Stéphanie, Marie, Sophia vont nous parler de cette étiquette d'enfant de la honte qui leur colle à la peau ou qui leur a collé à la peau. Je vous demande de les encourager chaleureusement. Qui était votre père, Sylvie ? Mon père était Francis le Belge. Francis le Belge. Mm. Tout le monde a entendu parler de Francis le Belge. Mm. Célèbre caïd du milieu marseillais. Vous nous raconterez vos difficultés dans votre jeunesse, adolescence et même jeunesse de jeune femme à vous construire donc auprès d'un père qui est extrêmement médiatisé en plus pour ses actes de grand banditisme, proxénétisme, trafic de drogue et qui d'ailleurs depuis a été assassiné. Oui. Marie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que votre père a fait pour vous cantonner à ce qu'on appelle aujourd'hui un enfant de la honte ? Mon père était un collaborateur, non pas très connu. Il était un... On l'appelait un des bras droits de Jacques Doriot, du PPF, qui était un parti fasciste. Et donc mon père a collaboré pendant la dernière guerre, collaboré avec les Allemands. Il faut le redire parce que collabo, pour les jeunes, c'est pas toujours évident. Il a été donc condamné à la prison. Il a été condamné à perpétuité. Il a fait une dizaine d'années de prison. Et il en est sorti en 1954. Et voilà, j'ai vécu. Vous aviez quel âge ça. À l'époque ? J'avais 12 ans. 12 ans. Fille de collabo, c'est l'étiquette qui vous a collé c'est à la peau ? C'est une étiquette qui a collé. J'ai eu la chance de pouvoir en écrire là-dessus. Mais enfin, c'est une chose qui vous reste. Oui. Stéphanie, c'est votre maman qui vous fait honte et j'ai l'impression que le mot est faible. Pour quelle raison ? Elle a commandité le meurtre de mon papa. Elle a commandité le meurtre de votre père ? Oui. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 14 ans. Vous expliquerez dans quelles circonstances on peut perdre ses deux parents d'un seul coup, si j'ose dire ? Oui. Circonstances de ce drame familial et puis les conséquences sur votre construction donc d'adolescente et de jeune femme. On verra au cours de cette émission que des sentiments d'amour, de haine, pas de fierté, mais en tout cas de reconnaissance envers ses parents quand même se confondent en vous, toutes, sur ce plateau. Je donne la parole aussi à Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Sophia, contrairement à la plupart de nos invités, il n'y a plus du tout de confusion en vous. Vous avez fini par assumer, par totalement accepter les choix de vie, si on peut parler de choix, qu'a fait votre mère. Peut-on parler de choix ? C'est ce que vous avez cru au début, en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Vous étiez plus jeune. Quel était le métier de votre maman ? Ma mère est prostituée, mais elle est toujours prostituée. Elle est toujours prostituée aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Vous l'avez appris quand vous aviez quel âge ? J'avais 9 ans et demi à l'époque. Vous l'avez compris, à 9 ans et demi ? Je ne sais pas si on comprend vraiment les choses. On comprend surtout par les insultes lancées par les camarades. Quelles insultes ? Quand on est à l'école et qu'on se prend la tête avec d'autres enfants, quoi, d'autres ados, et on s'insulte souvent de putes, voilà. Ou d'enfants d'eux, ou de filles d'eux. Oui, voilà, ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on assume. Ça ne doit pas aider à assumer, en tout cas. Hélène, une petite Hélène est également avec nous. Bonjour, Hélène.
Bonjour. Hélène, tu n'as que 13 ans. Pour te protéger, on t'a proposé en tout cas de témoigner de manière anonyme. En un mot, qu'est-ce qui te fait honte encore aujourd'hui chez ton papa ? Ce qui me fait honte, c'est qu'il n'est pas comme les autres. C'est qu'il est souvent ivre, presque toujours. Et donc, il perd un peu la mémoire. Et moi, il n'est pas comme les autres, quoi. Il n'est pas normal dans ces circonstances. Catherine, vous êtes la maman d'Hélène. Vous nous direz comment, en tant que maman, vous l'aidez à assumer ce papa, votre ex-compagnon, pas comme les autres, disait votre fille. Vivre son enfance dans la honte, comment le vivent les enfants quand ils sont encore jeunes, puisqu'on reste des enfants toute sa vie. C'est la première partie de cette émission. On va en parler notamment avec Hélène et avec sa maman. Ce reportage illustre bien à quel point il est difficile pour toi et pour ta petite sœur qui a quel âge, Hélène ? Elle a 10 ans. D'accepter donc la situation de ton père avec qui tu ne vis plus mais que tu vois régulièrement. Un jour, tu m'as raconté que ton père était tombé. Et... ouais, c'était là. Je m'en rappelle très bien parce que j'ai compté ces fissures-là. Les grandes. Qu'est-ce qui s'est passé ? On revenait de l'école et moi, j'aimais pas trop qu'il vienne me chercher parce qu'il était souvent sous. Et bon, devant les copains, devant les parents et tout, donc j'avais honte de lui. Donc quand on est arrivé ici, il est tombé vers le grillage. Alors j'ai couru vers ma maison sans m'arrêter. J'avais vraiment trop la honte. Et j'ai été prévenir ma mère. Et ça te fait pas du mal de dire c'est mon père ? Ben si, quand même. Si j'avais des pouvoirs magiques, je l'enlèverais sa maladie, mais c'est impossible. Bertrand, le père d'Hélène, est alcoolique depuis 10 ans. Cette adolescente de 13 ans n'oubliera jamais le spectacle traumatisant de son père ivre. Ne supportant plus d'être les témoins de sa déchéance, Hélène, sa mère et sa sœur lui ont demandé il y a 3 ans de quitter la maison. Aujourd'hui, Hélène continue de voir son père. Mais l'image de cet homme diminué est encore trop pénible pour Marie, la petite dernière. Tu veux aller le voir, toi ? J'ai beaucoup de devoirs, je pense, demain, et puis j'ai pas trop envie. Ouais, en fait, ça te fait de la peine de le voir mal, peut-être que... si pas jamais... trop de la peine, mais je suis en colère. Qu'est-ce que tu aimerais dire à papa ? Qu'il essaie d'arrêter de boire, des fois aussi, qu'il essaie de s'arrêter une semaine, qu'il fasse un petit effort, qu'il essaie de s'habiller proprement, qu'il essaie de brosser ses cheveux, parce que des fois c'est vraiment, il essaie de ressembler à un homme de la ville, un vrai homme normal, mais il réussit pas très bien, il y a tout le temps une petite tâche qu'il faut qu'il rajoute, et ça j'ai honte des fois, vu comme il marche, tout ça. Et est-ce que tu imagines que papa revient à la maison, on pourrait vivre avec nous comme avant ? Non, j'imagine pas trop ça. Hélène non plus n'imagine pas le retour de ce père alcoolique à la maison. Elle rêve d'un papa comme les autres, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh ben moi, en fait, je voudrais un beau-père. Un beau-père ? J'aimerais avoir un homme normal à la maison, tu vois. Surtout quelqu'un qui ait un bon boulot, quoi. Qui ait un bon boulot ? Ça te fait honte qu'il soit au chômage ? Oui, aussi, mais... ouais. Déjà, un père qui, quand on part en voyage... pourrait réparer les trucs dans la voiture, faire du bricolage dans ma chambre, des choses comme ça. Tu penses vraiment pas qu'il pourrait guérir ? Non, à mon avis, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance ? Mmh. Oui, mais tu sais bien qu'il voudrait être un bon père. Bah oui, je sais, mais il fait rien pour s'en sortir d'un côté, alors. J'espère que tu ne te sens pas coupable de la maladie de papa. Mais non, c'est mon père et je l'aime. Je... voilà. Donc C'est comme ça, c'est... j'ai détaché de lui tout en continuant à l'aimer. Et vous, madame, vous êtes sentie coupable à un moment de la maladie de votre ex-mari vis-à-vis de vos filles ? Oui, bien sûr. On a des moments où on se demande mais comment il a pu arriver là ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a poussé à boire ? Mais j'ai eu de l'aide auprès des groupes d'anciens buveurs, spécialement les groupes familiaux Al-Anon, Alcooliques Anonymes. Donc là, j'ai appris que c'était une maladie et que c'était pas un vice ou une tare ou quelque chose qu'il faisait exprès pour nous embêter. Donc c'est comme ça aussi que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants que c'est une maladie et que... Oui, il y a ce qu'on dit, puis malheureusement, il y a ce que les enfants ressentent, notamment cette petite fille qui n'a que 10 ans, mais qui explique à quel point il est difficile de se montrer avec un père comme le sien.
ou comme le vôtre, Hélène. Quand ta petite sœur dit qu'elle refuse de se balader avec lui, c'est ton cas aussi ? Oui, moi aussi, c'est mon cas, parce que il néglige sa tenue vestimentaire, son look, si on veut dire. Quand il est tombé en public la première fois devant tes amis, comment tu as réagi, toi ? Bah alors moi, je l'ai laissé là, j'ai couru à la maison, j'avais vraiment honte d'un père qui tombait, quoi. T'es couru à la maison voir ta maman ? Tu lui as dit quoi ? Oui, je lui ai dit, maman, viens vite, papa, il est tombé devant chez... C'est une, voilà. Dur comme jour, ça. Oui, ça c'est dur parce que on essaie autant de protéger ses enfants, comme on essaie aussi que les enfants quand même soient avec leur père et aient toujours confiance en leur père, même s'il est malade. Donc, pour moi, la difficulté c'était qu'est-ce que je peux demander au père et où est-ce que je dois les protéger. Donc, on fait beaucoup d'erreurs parce que il n'est jamais violent. Il boit une bouteille de whisky par jour, Oui, oui. Il n'est pas violent physiquement, pas du tout, mais verbalement, il peut nous insulter. Et oui, vous n'avez pas peur de laisser vos filles avec votre ex-mari ? Maintenant, oui. Il y a des années, parce que maintenant on est séparés depuis 2 ans, donc il ne les garde pas parce qu'il n'est pas vraiment capable et il ne pourrait pas les garder un week-end. Sylvie, qu'est-ce que vous pourriez dire, quand vous aviez l'âge de cette petite fille qui a 13 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentiez, vous, vis-à-vis de votre père ? Moi, en fait, je n'ai pas eu honte en fait, d'être la fille de Francis Lebel parce que je n'ai pas porté son nom. J'ai eu honte en fait parce que il ne m'a pas voulu, on va dire. Il ne m'a pas accepté. Il ne m'a pas accepté tout de suite. Il n'a pas voulu ma naissance. Lorsque je suis née, j'ai eu le malheur de naître fille. Donc il n'a pas voulu me reconnaître. Il voulait un fils. Il voulait un fils, oui. Et bon, par la suite, il a changé d'avis, heureusement. Mais ça a été très tardif. Hein. Et c'est vrai que moi, en fait, c'était plutôt... jusqu'à 13 ans, en fait, j'apprends qui est vraiment Francis Lebel. Jusque-là, j'ai été protégée. À l'âge d'Hélène. Oui. Et là, quelque part, je n'accepte pas. Parce que pour moi, ça ne correspond pas au père dont j'ai envie. Et là, je vais prendre toute ma vie à contre-pied. C'est-à-dire que je vais tout faire pour être différente de lui. Pour être... pas plus que bien, parce que ce serait prétentieux, mais pour faire les choses normalement. À l'école, vos petits camarades, vos profs, est-ce qu'ils étaient au courant que vous étiez la fille d'un gangster ? Heureusement non. Heureusement non. Surtout à Marseille, être la fille de Francis Lebel, ça aurait été terrible. Oui, donc pas de honte, pas de sentiment de honte vis-à-vis des petits camarades comme Hélène. Quand vous alliez au parloir, vous aviez quel sentiment ? Ah oui, le premier sentiment de honte, je l'ai ressenti lorsque je suis arrivée devant la porte de la prison des Baumettes à Marseille. Et là, on m'a fouillée, je veux dire, j'avais 8 ans. Et il y avait des gardiens hommes, il n'y avait pas de gardiens femmes. Et là, j'ai senti la honte. Et puis... C'est comment il s'exprime, ce sentiment-là ? Il s'exprime par la destruction, une addiction à la nourriture. Enfin, on essaie de... Alors, on se sent... on se dit, je ne suis pas aimable, mon père m'a refusé. Aujourd'hui, je me retrouve en semi-liberté. Mais pas aimable, ça veut dire pas digne d'amour. Oui, tout à fait. Et donc, on se dit, quelque part, il faut se protéger. On se protège avec des kilos. On se protège par la nourriture. Et puis voilà. Et quand on posait la question de savoir qu'est-ce que fait ton père, comment on le dit ? Alors moi, je disais, parce que forcément, je restais très simple, je disais, mon père est commercial pour un fast-food qui, à l'époque, a été à peine célèbre, qui aujourd'hui a fait sa route. Voilà, et puis ça a été un secret, je veux dire, des gens qui me connaissent, des amis d'enfance, mes maîtresses d'école, ont appris à la sortie de mon livre qui j'étais vraiment. C'est-à-dire, il y a combien d'années ? J'avais 37 ans, il y a 3 ans. Quelle était votre réponse quand on vous demandait, après vos 14 ans, où est votre mère, que fait votre mère ? Je disais soit qu'elle était décédée. Décédée ? Décédée, oui. Et ceux qui me connaissaient, je leur disais qu'elle était partie dans un pays. Je ne voulais plus en entendre parler. Et vous, Sophia ? Moi, je répondais aller au bureau, point barre. Je ne développais pas plus que ça. Comment ça se passait pendant les parloirs ? Au début, c'était très, très difficile parce que j'avais aucun sentiment paternel. J'avais pas de filiation, je ressentais rien pour lui. Il voulait pas être votre père. Il voulait pas être mon père, il m'avait refusé, je pense que... Mais il voulait que vous soyez là, face à lui ? Ah oui, il me voulait, c'est lui qui a insisté, parce que tout simplement, ma mère avait refait sa vie avec mon beau-père, avec qui elle est toujours. Et cet homme-là, en fait, comme j'étais née de père inconnu, voulait me reconnaître, puisque de 5 ans à 8 ans, j'ai vécu avec lui. Et ma mère, ils se sont mariés très vite. Et donc, lorsque mon père a appris que cet homme voulait me reconnaître, il a fait valoir son droit et il a demandé à me voir. Il nous a menacés, voilà. Et puis, c'est là que j'ai commencé à le voir. Qu'est-ce qu'il vous disait ?
En fait, il a fait dire à ma mère que si on me reconnaissait, il y aurait des représailles, forcément, et puis voilà. Alors, un peu plus tard, adolescente, vous étiez toujours en prison, mais vous étiez en âge de comprendre concrètement les délits qu'il avait commis, proxénétisme, vous voyiez à peu près à quoi ça pouvait correspondre. Bien sûr. Sans doute le délit le plus grave qu'il ait commis. Vous mettiez à la place de ces femmes? Ah oui, oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis très féministe. Et... Oui, oui. Marie, quelle idée vous faisiez-vous de votre père quand vous étiez enfant, quand il était enfermé en prison, qu'on vous disait qu'il était collabo? Vous en aviez peur? À l'époque, on ne disait pas. On ne disait pas encore. Collabo. Non. J'ai passé pas mal de temps dans les parloirs, pas les mêmes. Pour l'enfant que j'étais, avoir un père en prison, c'était quelque chose de complètement incongru. Mais grâce à la mère que j'avais, c'est devenu presque une habitude. On allait voir papa tous les samedis à Fresnes. Et je trouvais ça normal. Et donc, on parle de honte, mais la honte, elle est venue plus tard. Elle est venue quand j'ai repensé à tout ça. Et je me disais, non, c'était pas normal. À 20 ans. Pas avant. Non. Pourtant, quand il est sorti de prison, vous aviez 12 ans, 54. Oui. Votre père, je le rappelle, est entré en collaboration très tôt, en 1940. Il était un des dirigeants du parti fasciste français donc pendant l'occupation. Il a été jugé et incarcéré à la fin de la guerre en tant que collabo. Ouais. Il a eu un courage, celui de ne pas fuir et d'affronter ses juges et d'accepter son jugement. Il aurait pu fuir. Oui, lui a proposé. Mon grand-père a été déporté, donc on ne sait pas que c'est pas du tout une façon de lui pardonner. Mais en tout cas, il a accepté ses juges. En 54, donc, il sort de prison. Vous avez 12 ans. Quel regard vous portez sur lui? Le regard d'un trublion qui revient dans la famille. J'étais élevée avec ma mère. J'avais une nanny qui vivait avec nous, Juliette. Et j'avais un frère aîné plus une sœur aînée. Et pour moi, qui était quand même assez jeune, c'est là que les problèmes ont commencé, quand le père est rentré à la maison. Mais il n'y avait pas de questions posées, c'était un secret. Et la honte, elle venait du non-dit. La honte, elle est venue après, quand j'en ai pris conscience, que sans doute j'aurais dû avoir honte, mais je n'avais pas honte, je ne savais pas. Vous avez eu honte plus tard de ne pas avoir eu honte, c'est ça que vous nous dites? C'est un peu ça. Jean Crépu, bonjour. Vous avez réalisé un documentaire sur les enfants de ce qu'on appelle des collabos. Vous pouvez nous éclairer peut-être sur quelques questions de ce que ressentent ces enfants, de la façon dont ils ont été montrés du doigt. Comment ils étaient considérés au lendemain de la guerre? Je crois que selon l'itinéraire de chacun et qui était leur père, il y en a eu certains qui ont eu à vivre des choses effectivement très difficiles. Montrer du doigt, stigmatiser? Montrer du doigt, stigmatiser. J'ai le souvenir pour le film qu'il y avait une Alsacienne dont le père avait été dans la SS, là, puisque l'Alsace était occupée par les Allemands. Après la guerre, le père a été exécuté et elle était petite fille, donc n'y pouvait pas grand-chose. Et quand elle allait acheter le pain, elle le racontait dans le film, elle était stigmatisée. On la montrait du doigt et on la traitait de sale boche pour une enfant. De quoi avait honte de ces enfants qui ne pouvaient pas tout comprendre à des guerres aussi grandes que celle-ci? En effet, les enfants ne comprenaient pas, ou tout du moins se retrouvaient avec un poids, là. Je crois qu'ils avaient bien conscience qu'ils allaient vivre avec ce poids-là, le restant de leur jour, ou en tout cas, peut-être que ça allait se tasser avec le temps. Mais avec en une confusion, c'est-à-dire vous êtes comme lui, vous... Je crois qu'il y a un attachement, malgré tout, ça reste son père, et on essaye de trouver chez son père quelque chose de quand même... digne, quelque chose de qui tient un peu la route, parce que sinon le reste c'est quand même compliqué. C'est insupportable. Sophia, donc à presque 10 ans, vous avez dit 9 ans et demi tout à l'heure, vous avez découvert que votre maman était prostituée. Comment vous l'avez appris? Un soir, ma mère et son mari se sont disputés et suite à cette dispute, je dormais dans un lit. J'ai entendu... Vous avez surpris une conversation? Voilà, et suite à cette conversation-là, j'ai su la profession de ma mère. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le moment? Sur le moment, on se rendort. Et après, on réalise, en plus, j'étais une jeune fille, donc je commence le début de l'adolescence, on parle avec les copains, les copines, on réalise, et puis... Vous gardez tout ça pour vous? Ouais, voilà, on garde ça pour soi, on ne peut pas en parler, parce que c'est la honte. C'est la honte. Qu'est-ce que vous aviez sur le cœur? Qu'est-ce que vous disiez? Il faut garder le secret à tout prix? Ah ouais, ah oui.
Oui, oui, moi je suis fille de musulmans. J'ai grandi entre autres avec mon père. J'ai mes cousins, ma famille sont musulmans et il n'était absolument pas question ni à l'école ni nulle part. Mes frères n'étaient pas au courant que ça se sache. Hein, donc vous n'en parlez pas à l'extérieur, même pas à vos frères. Vous en parlez à votre mère ? Non plus. Non plus. Pendant combien de temps vous n'en avez pas parlé à votre mère ? C'est venu vraiment beaucoup plus tard. J'avais 15-16 ans et c'est sorti d'une façon très coléreuse. J'ai été très dur. Il n'y a pas de mots, en fait. Suzanne, à l'issue de cette première partie, bonjour. Une première réaction à ce qu'ont dit nos invités ? Déjà, je pense que c'est bien de dire que la honte, c'est un sentiment appris. On apprend la honte à partir du moment où on commence à être un peu conscient de soi, un peu conscient du monde externe, donc autour de 2 ans. Et généralement, on apprend la honte parce qu'on nous fait honte. Et on nous fait honte par rapport à des normes. Il y a des normes sociales, il y a des normes vestimentaires, il y a des normes d'image. Un père, il doit être comme ci, comme ça, protecteur, la première chose qu'a dit la petite Hélène, c'est « il n'est pas comme les autres ». Ouais. Tout à fait. Donc, il ne correspond pas aux normes. Et puis, du coup, comme on n'a pas ces normes-là, il y a quelque chose qui est inscrit à l'intérieur, c'est-à-dire que ça dépend évidemment des cultures, et donc on a le sentiment de ne pas être comme les autres. Et il y a un tabou qui s'installe la plupart du temps, parce que comme c'est un sentiment intime et qu'on a l'impression d'être pas comme les autres, justement, on évite tout ce qui est réactif, tout ce qui peut faire voir aux autres qu'en effet, il y a quelque chose qui cloche. On le garde pour soi, comme Sophia, qui a préféré le garder pendant 5-6 ans, qui n'en a même pas parlé avec sa maman. Pour vous, toute seule, vous l'avez gardé alors ? Ah oui. C'est plusieurs années, à un âge quand même très important, où on se construit, où vous avez dû vivre avec ça toute seule, quoi. Je ne dis pas que c'est une honte d'être prostituée ou pas, ce n'est pas la question qui se pose. C'est ce que vous avez ressenti dont on parle aujourd'hui. On s'introvertit. Hein. Enfin, moi, je portais des jeans larges. Je faisais vraiment tout l'opposé que de me transformer en demoiselle. Parce que pour moi, tout de suite, tout ce qui était très court ou tout ce qui était... ça ramène tout de suite à cette notion de sexe et à cette notion de... Fille facile. Vous vous demandiez si vous étiez comme votre mère ? Il y a une époque, je me le suis demandé. Je sais que non, je sais que j'ai beaucoup de respect pour moi-même et voilà. Mais il y a un moment donné où on se dit, est-ce que c'est réellement le telle mère, telle fille ? Est-ce que... Qui s'est posé cette question ? Vous ? C'est-à-dire ? Quand j'ai eu mes enfants, j'avais peur de remettre ce qu'elle m'a fait endurer quand j'étais jeune. J'avais peur d'être mère. D'être quoi ? Violente ? Violente. Et être méchante avec mes enfants. Éventuellement devenir criminelle comme votre mère ? Oui. En devenant adulte, comment ces enfants qu'on appelle aujourd'hui de la honte peuvent grandir ? Il y a 2 voies distinctes, en fait, celle de l'acceptation ou celle de la rupture. Il n'y a pas de milieu. Nous parlerons tout à l'heure de l'acceptation. Parlons d'abord de la rupture, couper les ponts pour se protéger de la honte. C'est la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler avec vous, Stéphanie. Votre maman a été condamnée pour le meurtre de votre père quand vous aviez 18 ans. L'étiquette de fille de la honte, elle ne vous a pas quitté depuis. Reportage. Quand j'allais à la boulangerie il y a 20 ans, chercher une baguette, on m'a dit carrément, sors de ma boulangerie, fille de criminel. J'avais honte pour ma mère et pour moi quelque part quand même. Je voulais me cacher dans un trou de souris, comme on dit. S'il y a 20 ans, Stéphanie ne pouvait pas acheter son pain sans être dévisagée, c'est parce que tous les habitants du village savaient que sa mère avait fait assassiner son père pour toucher son assurance vie. Elle sera alors condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Si je croise quelqu'un qui a connu mon passé, je préfère changer de trottoir et oublier ça parce que la honte, elle est toujours là, elle est présente. Stéphanie ne veut surtout pas transmettre ce sentiment de honte à ses enfants. Souvent, Julien, son aîné, lui pose des questions sur ses grands-parents. Stéphanie tente de lui répondre tout en le préservant. C'est papy, là ? Ouais. Une fois, tu m'avais posé la question, il est où mon papy ? Ouais. Et je t'ai répondu, il est parti au ciel. C'est ta mamie, ça. Ouais. Comment elle était, mamie ? Ben, avec moi, elle était très méchante. Parce qu'elle n'a pas d'amour pour ses enfants. Mais moi, tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. J'ai pas envie de la connaître parce que j'ai peur qu'elle est méchante avec nous. C'est tout. Plus tard, quand je leur expliquerai ce qui s'est passé vraiment, je veux pas non plus qu'ils aient le sentiment de honte que moi j'ai à l'heure d'aujourd'hui. À sa sortie de prison, la mère de Stéphanie est revenue vivre dans le quartier.
Pour Stéphanie, chaque promenade est devenue une épreuve de taille. Parce que là, elle est derrière. Ah ouais, il y a quelqu'un derrière son carreau. Elle est là. Ah non, je me barre. J'espère qu'elle m'a pas reconnue. J'aurais préféré être la fille de quelqu'un d'autre. Parce que je sais que j'ai son sang quand même qui coule dans mes veines. Mais quelque part, j'ai envie de lui être sa fille, quoi. Qu'elle m'a détruite. Le bonheur aujourd'hui que j'ai, c'est mes enfants. Il n'y aurait pas mes enfants, je crois que j'aurais tourné autrement. Vous auriez tourné comment ? Excusez-moi. Je vous en prie. Parce que j'ai eu la foi, j'ai voulu m'en sortir. Ce qui est frappant dans le reportage, c'est qu'on a le sentiment que vous êtes toujours pétrifié de peur par votre mère quand vous passez devant chez elle. Vous avez encore peur d'elle aujourd'hui ? Quelque part, oui. J'ai mon mari qui est là, qui me soutient. Que si jamais il m'arrive quelque chose, il est là. Mais à l'époque, j'étais toute seule. Donc, j'ai quand même peur d'être en face d'elle. Pourquoi, à votre avis, pour revenir un peu sur, essayer de comprendre cette histoire qui est incroyable, votre mère a-t-elle commandité le meurtre de votre père ? Bon, on l'a su après par le tribunal, où qu'elle a été condamnée. C'est quelqu'un qui est manipulatrice, qui a été jugée par des grands maux de tribunaux, et qu'elle met des enfants au monde, mais sans leur donner des amours. Enfin, de là à commanditer un crime ? C'est qu'elle avait des amants. Des amants ? Des amants, l'argent facile. Et que quand mon père y a découvert le poteau rose, elle n'avait plus rien. Et quand mon père a voulu la quitter, il lui a dit « tu n'auras pas la maison ni les enfants ». Là, elle a eu un déclic. Pour l'argent ? Pour l'argent. Pour l'argent. Elle a été condamnée à 15 ans de prison pour meurtre avec préméditation. Oui. Vous étiez au procès ? Oui, j'ai été témoin. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment du verdict ? Un soulagement. C'est un sentiment très confus, ça, vis-à-vis de sa propre mère. Depuis l'âge de mes 13 ans, je n'ai plus d'amour pour elle. Je n'ai... C'était plutôt un soulagement au tribunal. On vous a dit « tu es comme ta mère ». Oui. On m'a déjà dit que je ressemblais, que je lui ressemblais. Donc moi, quelque part, ça me fait mal. Donc c'est une image que je veux oublier. Vous avez tous vécu cette confusion qu'il pouvait y avoir entre vous et vos parents ? Un moment ou un autre ? Oui, moi oui. Dans quelles circonstances ? Dès que j'ai su vraiment qui était mon père, j'ai porté sur mes épaules la culpabilité de ses actes, tout de suite. Et ça a duré jusqu'à mes 37 ans, où j'ai réussi à exorciser tout ça en écrivant. Donc vous alliez le voir, vous vous sentez coupable, vous lui avez dit dans les yeux ? Non, jamais. Pourquoi ? Non, on parlait jamais. Vous aviez peur ? J'avais peur, et puis je savais qu'il ne me répondrait pas, de toute façon. C'était des non-dits. La relation que j'avais avec lui jusqu'à... sa sortie de prison, c'était des non-dits. Il pensait que je ne savais pas alors que je savais. Je lui faisais croire que je ne savais pas pour le rassurer, alors que j'étais mal, quoi. Donc c'est vrai que je ne me sentais pas en phase du tout avec lui. Mais... Vous aviez peur, j'insiste. Oui. Ouais. Oui. Ça aussi, ça va être terrible d'avoir peur de ses parents. Vous comprenez, Stéphanie, qui a peur de sa maman ? Oui, mais moi, j'avais... Encore aujourd'hui ? Oui, je peux le comprendre. Encore lors d'aujourd'hui, je la crains. On verra comment ça se passe depuis sa sortie de prison, juste après ce message de la rédaction. Si ça vous concerne, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Déjà parent d'enfants naturels, vous venez d'adopter ou vous hésitez à le faire ? Votre relation avec votre frère ou sœur adoptif est compliquée ? Vous êtes plus proche de votre frère, sœur adoptif que votre frère, sœur naturel ? Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire... Ils les agressent, les séquestrent dans le coffre de leur voiture, leur corps, en partie calciné, est retrouvé dans un petit bois. Un tueur en série est entré dans leur vie. Elle est partie à 13h30 de la maison pour aller faire du vélo, elle n'est jamais rentrée. Il l'a choisi et les policiers nous ont aussi confirmé qu'il l'avait choisi. On n'aurait jamais imaginé qu'il y ait quelqu'un qui l'assassine comme ça sans aucune raison. En face, il y a les accusés. C'est l'assassin de Julie, mais hormis du dégoût, j'ai pas de sentiment autre envers lui. La reconstitution nous a dit en face qu'il était insensible. On balance tout à la figure, quoi, tout revient. Il avait, en tant qu'être humain, des côtés bien évidemment sympathiques, comme tous les êtres humains. Mais il avait aussi une part d'ombre terrifiante. Comment oublier cette rencontre avec l'horreur ? Je ne sais pas pourquoi elle est morte. Je pense qu'on devrait les déclasser des êtres humains, ceux-là. La honte de ses propres parents.
Avoir honte de ses propres parents, on en parle aujourd'hui dans Toute une histoire et dans cette deuxième partie d'émission. On est là avec des invités qui nous parlent de comment se protéger de cette honte. Depuis qu'elle est sortie de prison, vous en êtes où ? Avec elle, hein, je veux dire. Je n'ai aucun contact avec elle. Elle a essayé à plusieurs reprises de prendre contact parce qu'elle ne connaît pas mes enfants. Et je ne veux pas lui faire montrer mes enfants. Hélène, tu vois toujours ton papa ? Oui, je le vois 2 fois par semaine. Vous ne vivez plus ensemble ? Non. C'est mieux de vivre sans lui, pour toi ? Oui, déjà parce qu'à la maison, il n'y a plus de disputes. On ne doit plus vraiment passer derrière lui, on ne doit plus éponger son sang, son vomi. Et ça, je crois que ça lui fait aussi un peu comprendre que c'est que lui qui est responsable de... Il te l'a déjà dit, ça ? Non, il ne veut pas vraiment accepter le fait qu'il est responsable de lui-même. Tu lui as déjà dit que tu avais honte de lui ? Oui, je lui ai dit. Une fois, il m'avait proposé d'aller manger un snack, un goûter, en revenant de l'école. Et moi, je lui ai dit non, papa, je préfère pas, parce que j'ai un peu honte de toi. Parce que tu es alcoolique, t'es mal habillé et tout le reste. Et donc, comment il a réagi ? Il l'a mal pris. Il s'est cru un peu seul. Quand tu le vois aujourd'hui 2 fois par semaine, tu es contente de le voir ? Des fois oui, des fois non. Quand il est bien, je suis très contente. Et bon, quand il est mal, je ne suis pas contente. Mais bon, c'est pas moi non plus qui peux contrôler ce qu'il fait. Tu as entendu Stéphanie nous dire que tu as vu, c'est déjà une grande dame par rapport à toi et une maman, qu'elle a toujours peur de sa maman, qu'elle a toujours honte de sa maman. Oui. Tu comprends ce qu'elle ressent ? Je ne comprends pas sa peur, mais je comprends sa honte. Alors bon, moi, j'ai jamais eu peur de mon père parce qu'il m'a jamais frappée physiquement. Stéphanie nous a dit aussi autre chose. Cette maman qui est en face de moi, elle nous a dit qu'elle avait eu peur... à un moment, de ressembler à sa maman ? Alors, moi, ça m'a... J'ai jamais eu peur de ressembler à lui, parce que, bon, même si dans mon groupe de parole, qui s'appelle La Latine, c'est un groupe en aide aux enfants d'alcooliques, même si dans mon groupe, il y a des enfants... Qui ont peur de ressembler à leurs parents ? Oui, il y en a qui ont peur de ressembler à leurs parents, parce que déjà, leur grand-père... où leur grand-mère était alcoolique avant. Oui, comme si c'était quelque chose ouais, voilà, qui se transmettait de génération en génération. Quoi. Voilà. C'est fréquent, ça, Suzanne, ce sentiment ? Oui, le sentiment. Est-ce que la honte se construit aussi de ce sentiment-là ? Bien sûr, parce qu'on porte les histoires familiales, et puis les enfants s'identifient aux parents. On dit, c'est vrai, tel père, tel fils, telle fille, telle mère, et on a toujours l'impression d'avoir engrangé quelque chose de la relation à la mère par identification. Alors la honte, elle s'associe à la peur si le parent a été maltraitant, hein, comme chez vous Stéphanie, c'est-à-dire que la peur, elle était déjà là avant, plus la honte qui est arrivée ensuite au moment du crime. Mais il y a des parents qui sont, on peut avoir honte de son parent sans être dans la peur, si le parent n'est pas dangereux, réellement pour l'enfant, non. Ou peur de lui ressembler, ce qui est encore autre chose. Peur de lui ressembler en tout cas, oui, et d'être dangereux aussi. Sylvie, vous avez choisi un métier justement pour trancher avec ce que votre père avait fait de sa vie. Quel métier ? Je suis dans le médical, je suis orthopédiste. C'est-à-dire, c'est l'idée d'aider les autres ? Oui, ah oui. Moi, il faut absolument que je rachète les actes de mon père. Donc, il faut absolument que, pour me sentir utile, il faut que j'aie l'impression de faire du bien aux autres. Alors après, ça passe à plusieurs niveaux. J'ai fait des spécialisations pour les grands brûlés. Je pousse mes limites un petit peu. Parce que j'ai besoin de ça pour vivre. Ouais. Est-ce que vous avez, Marie, envisagé de couper les ponts avec votre père pour effacer l'héritage ? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire en écoutant toutes ces petites là autour de moi, parce que moi, je suis comme une vieille petite fille, hein. Je crois avoir vécu un conte de fées par rapport à ce qu'elles ont vécu. Je veux dire que j'ai été tellement préservée. Et puis, j'ai envie de dire aussi que la honte est une grande injustice. On vous colle la honte alors que vous n'y êtes pour rien. La honte, c'est les autres qui vous la collent sur le dos. Alors,
Excusez-moi, je ne sais plus quelle était votre question, mais j'étais... Non, ma question, c'était, est-ce que vous avez envisagé de couper les ponts? On était en train de se demander si la construction peut se faire dans la rupture, par exemple. La façon de couper les ponts avec un père qui fait de la politique et qui était collabo, ça a été le silence. C'était une façon de couper tout jusqu'au moment où je suis devenue curieuse de savoir ce qu'il avait vraiment fait. Sinon, je n'ai jamais posé de questions. Et chez moi, dans la famille, on n'a jamais rien dit. C'était le non-dit aussi. C'était le non-dit, le silence. Mais j'ai jamais pensé à une rupture, non. Aucune discussion avec votre père après sa sortie de prison ? Non, il racontait des histoires comme si ça avait été Tintin. Il racontait des trucs, pendant la guerre, il a fait ci, il a fait ça, mais qui ne donnait aucune idée, ni de sa responsabilité, ni de ce qu'il avait pu faire et réellement. Et vous ne posiez pas plus de questions que non, ça ? Non, parce que pourquoi est-ce qu'on en aurait posé ? Personne n'en parlait. Par curiosité ? La curiosité, elle est venue très tard dans cette génération. En fait, vous avez, si j'ai bien compris, une conversation déclic avec une amie à vous qui, tout d'un coup... Amie juive. Une amie juive. Tout à coup, m'a demandé... À 20 ans. À 20 ans. Et m'a demandé, mais qui était ton père ? J'ai dit, tiens, mon père, mon père, il s'appelait Albert Begras. Et il a été collabo. Et elle m'a dit, ton père était collabo ? Et tu sais ce que c'est que d'être collabo ? Et moi, je ne savais pas. On est au début des années 60. C'est vrai, je ne savais pas. D'une part, parce qu'on ne parlait pas des choses, il y avait un grand silence, et puis parce que dans ma famille, c'était caché, c'était un secret. Ce n'était pas caché visuellement, puisque j'ai vu mon père en prison, mais je ne savais pas pourquoi il était. Vous êtes née en quelle année, madame ? 42. 42, oui. Donc à la fin de la guerre, quand on parlait des collabos, vous étiez une toute petite fille. Et cette amie juive m'a fait prendre conscience en me disant, mais enfin, tu sais ce qui s'est passé quand même ? J'étais très mauvaise en histoire aussi, et ça, je pense que c'était une protection, c'était aussi une rupture. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti après cet échange, à l'âge de 20 ans, bien plus tard, ça peut être une bombe à retardement. Oui, absolument. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir de quoi il s'agit. Et comme mon père avait laissé une sorte de journal de prison, des récits de prison, il avait écrit une pile de petits cahiers que je n'avais jamais regardés. Et là, vous êtes partie à la recherche ? Je suis partie à la recherche. Votre père était toujours vivant ? Non. Hélas ? Juste après sa mort. Juste après sa mort, oui, comme par hasard comme par hasard, on peut dire ça, oui. C'était par hasard. Non. Ça vous a empêché aussi peut-être d'avoir une conversation vérité avec lui qui vous aurait fait voir votre père autrement. Ça arrive à tellement d'enfants de louper les questions poser. Ça arrive à quasiment tous les enfants, en fait, généralement. Comment l'expression « fille de collabo » résonne en vous aujourd'hui ? Bof, maintenant, c'est un peu une... Alors, à l'époque, à l'époque, plutôt. Spécialité, fille de collabo. À 20 ans, 25 ans. C'était une blessure quand même, oui. C'est pas vraiment rigolo. Surtout quand j'ai su ce que ça voulait dire. Jusqu'où ça peut aller, la honte ressentie par les enfants de collabo, d'après votre enquête, Jean ? Ça peut aller très loin. Là, c'est l'objet d'un prochain film que je suis en train de préparer. La fille de celui qui était le commissaire aux questions juives sous Vichy, entre autres, le responsable un peu de la rafle du Veldiv, qu'on connaît tous, avait une fille qui a vécu en Angleterre, puisqu'ils s'en étaient un peu séparés. Cette fille a vécu en pensant que son père était quelqu'un de brillant. En Angleterre, du côté de la France libre ? Non, en Angleterre, il l'avait confiée à une nourrice et elle vivait comme une petite Anglaise. Elle avait quel âge pendant la guerre ? Elle est née en 30, donc c'était une petite adolescente. Et sa nourrice lui disait, tu sais, ton père est en voyage, c'est un brillant aristocrate, tu n'as pas à voir, tu vas le retrouver. Et elle a fait connaissance de son père après la guerre, qui lui avait réussi à se sauver en Espagne. Et ça a été un choc terrible. Elle est devenue psychiatre, je pensais ce qu'on a dit tout à l'heure. Milieu comment médical. Racheter le poids d'une aider faute. Les autres. Aider les autres. Elle est devenue psychiatre assez brillante à Londres. J'ai pu avoir des courriers de gens qui ont été des patients et qui ont dit cette femme était extraordinaire. Vous l'avez rencontrée ? Elle s'est suicidée en 1970 à Londres. À 40 ans. Après avoir revu une dernière fois son père, tranquillement installé en Andalousie, puisque lui n'a pas été inquiété jusqu'à la fin de ses jours. C'est lié à ce sentiment de honte ou d'hérédité, en tout cas ? Alors, elle s'est dit, je ne peux pas vivre avec ça. Elle a juste confié à ses proches, parce que personne ne savait cette histoire, elle ne l'a jamais dit, elle ne l'a jamais exprimée. Elle a dit simplement, il y a des choses qu'on ne peut jamais pardonner. Et elle s'est donné la mort. Donc ça peut effectivement aller assez loin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que quand on n'arrive pas à se décoller, de sa peau l'histoire du parent... Quand on n'arrive pas à se définir comme quelqu'un d'une
très différents, même si on est du même sang. En effet, on continue à souffrir parce qu'il y a un amalgame identitaire. Et c'est vraiment une question de maturité psychologique et affective. Une femme psychiatre, là on vient de parler d'une femme psychiatre. Mais on peut être psychiatre et pas bien du tout dans sa peau. C'est une question de... Et on peut avoir un question métier. De moment. C'est une question de moment, une question de personnalité aussi. Les études, enfin faire des études c'est une chose et être bien dans sa peau c'en est une autre. Et je pense que tant qu'on n'est pas, on se définit pas complètement différent, tout en gardant peut-être un lien, hein, peut-être, avec le parent, en effet, on court de gros risques. Non, on peut, je voulais dire, on peut bien s'occuper des autres et mal s'occuper de soi-même. Absolument, c'est bien connu. Hein, c'est bien connu dans le métier médical, humanitaire, tout ça. Oui. La rupture, c'est une possibilité de se sortir de celle-là, celle que Stéphanie a choisie. Une autre possibilité, c'est d'accepter, autant qu'on puisse, ses parents lourds à porter, accepter ses parents pour sortir de la honte, c'est la troisième partie de cette émission. Et c'est vrai que Sylvie, après de nombreuses années, à l'âge de 37 ans et quelques années, vous avez fini par assumer, par vouloir assumer ce père gangster, caïd marseillais, en écrivant un livre, en racontant votre histoire. Pour mieux comprendre votre cheminement, on regarde un rappel en image sur cet homme qui était vraiment une légende du milieu. À 54 ans, Francis le Belge était une figure du milieu marseillais, un caïd, un parrain. Né dans la cité phocéenne, de mère espagnole et de père belge, il commence sa carrière de délinquant à 16 ans. Après de multiples condamnations, il écope en 1977 de 12 ans de prison pour trafic de drogue lors du démantèlement d'un réseau de la French Connection. C'est quelqu'un qui était considéré par les policiers très jeune comme quelqu'un comme un furieux, c'est-à-dire quelqu'un qui allait au contact, qui allait à l'affrontement avec ses rivaux, avec ses concurrents. Un jour, il est chez une juge d'instruction et elle commence à l'interroger sur ses complices. Et elle a le malheur de laisser entendre qu'il n'est pas le patron. Et là, Francis le Belge regarde la juge droit dans les yeux et lui dit « Le numéro un, ici, c'est moi ». Dans l'ombre de ce grand caïd, il y a aussi sa fille, Sylvie, née en 1967. Un véritable obstacle à l'ascension de Francis. Il refuse de la reconnaître, mais il lui offre une vie très confortable. Il l'installe dans une somptueuse villa, une véritable prison dorée pour l'enfant. Sylvie ne croisera que rarement son père. A priori, les gens qui... Les gros voyous font vraiment la part des choses entre leur vie privée, ils distinguent totalement, ils coupent ce qui relève de leur vie privée et ce qui leur relève de leur vie, entre guillemets, professionnelle. Pourtant, lorsque Francis est en prison, il insiste pour que sa fille vienne le voir dans ses différents centres de détention. À 38 ans, Francis est un homme libre, il s'exile à Paris. Il verra alors sa fille en cachette, des instants volés où le père et la fille apprennent enfin à s'apprivoiser. Mais les affaires le rattrapent. En 1988, il fait 4 ans de préventif pour trafic d'héroïne. Libéré sous caution, il dénonce un coup monté. Il y a 0000. Voilà. Il y a une affaire aimantée de toutes pièces. Voilà. Pour détention abusive, Francis fait condamner l'État français à une amende de 85 000 francs qu'il versera à l'abbé Pierre. Un véritable pied de nez. Francis le Belge, le dernier parrain, un homme qui fascine. Francis le Belge, il avait tout pour plaire. Il avait une belle gueule. Une bonne gueule de proxénète comme il a été dans les années 60. Il avait du vice, de l'ambition et correspondant donc à l'image que les policiers ont du, entre guillemets, beau mec. Ce sont les policiers qui les appellent les beaux mecs. Parce que les policiers font la différence entre guillemets, les beaux mecs et les petits malfrats. Pour Sylvie, hors de question de parler de légende. À ses yeux, Francis le Belge fut meilleur caïd que père. Pour s'affranchir de cette pesante hérédité, elle se montre au grand jour et raconte qu'elle n'est pas une fille à papa comme les autres. Pour nous, c'est impressionnant de voir un type avec une personnalité pareille, sans doute un très grand manipulateur, avec aussi un toupet, quoi, un culot incroyable. Et pour vous, c'est votre père, ça doit faire tout drôle, même de voir des images comme celle-ci, même si vous les avez déjà vues. C'est toujours... C'est toujours émouvant, c'est évident. Mais je regardais le reportage, je me disais, mais je vais me mettre à votre place. Oui. Moi, j'aurais aimé qu'il soit quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'il aurait pu être quelqu'un de bien, parce que c'était quelqu'un d'intelligent, qui avait une personnalité, une ambition extraordinaire. Après, bon, comme je disais, le destin n'a pas voulu qu'il soit du bon côté de la barrière, mais je suis un peu... Très tôt, en plus, hein. L'adolescence. Oui, très tôt, oui. En fait, si vous voulez, au départ, il était destiné à une carrière de footballeur et une blessure très importante au genou l'en a privé. Et c'est là qu'il a basculé parce qu'il avait une telle envie d'être le premier, ça c'est vrai.
Ça, il le dit, hein. Oui, il le dit. Le numéro 1 ici, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'était son ambition, et puis je pense qu'il l'a vécu jusqu'au bout, puisqu'il en est mort, hein. De toute façon, il a toujours payé le prix de ses actes. Le proxénétisme est sans doute, je disais, ce qui est le plus difficile à comprendre et à accepter. Malgré ça, vous avez choisi, parce que je crois que c'était un choix de pardonner. À quel moment? Ou alors c'était une décision qui s'est imposée à vous? Dans quelles circonstances ça s'est passé? Vous avez eu un déclic? Mais de son vivant, je ne lui ai jamais pardonné, puisqu'on n'en a jamais discuté, en fait. Il savait que j'étais au courant, je n'ai jamais osé parler de sa vie. Tout le monde était au courant. Tout le monde, oui, mais je veux dire, même avant sa mort, je veux dire, il est mort, il n'y a que 6 ans qu'il est mort, il venait me voir en cachette, toujours à Marseille, dans mon cabinet d'orthopédiste, au centre médical où je travaillais. C'était vraiment des discussions de père à fille, vous je veux dire. Vous étiez proche à ce moment-là? Oui, on a passé les 10 dernières années de sa vie. Il y a un oui. moment où vous êtes devenu proche de lui? Le même, moment, même en restant dans le non-dit, hein. Tout à fait, oui. La période où il a quitté sa prison, où j'ai fait la paix avec lui, dans le sens où il m'a rassurée sur le devenir de ma mère. Parce que pendant des années... Ah, vous avez eu peur pour elle? J'ai eu peur pour elle. Je n'avais pas peur pour moi, j'avais peur pour elle. Est-ce qu'il vous a rassuré sur l'amour qu'il vous portait presque malgré lui, j'ai envie de dire? Parce qu'au début, il ne voulait pas vous aimer. Oui, après, il s'est raccroché à moi. J'étais un petit peu la vie qu'il n'a pas eue, puisqu'il y a pendant des années. Et à travers moi, je pense qu'il a retrouvé un certain équilibre dans sa vie. Il a fait des études en prison. Il aurait pu, comme je dis, muscler son corps. Il a musclé son cerveau. Et c'est ça qui m'a rapprochée de lui. Votre père a été assassiné en 2000 à Paris. Oui. En sortant ou en entrant, je ne sais plus, dans un il était dans un café en bas de chez lui. C'était dans vraiment... un quartier chic parisien. Oui, aux Champs-Élysées, oui. Il se fait tirer dessus comme un lapin, quoi. Comment vous l'avez appris? Par la télévision. Waouh. Ouais, j'arrivais de travailler, j'avais mis en fond sonore ma télé, et puis je préparais mon repas. Et personne ne m'en avertit, il était mort depuis 16h l'après-midi. Alors à savoir que j'avais des contacts avec ma famille paternelle, hein, et personne n'a daigné m'appeler pour m'en avertir, donc c'est terrible. Alors c'est vrai que ma première réaction, à Marseille on parlait tout le temps de Francis le Belge, forcément. Quoi qu'il se passait, c'était lui. Alors, c'était devenu pour moi une routine. Et j'entends son nom, Francis le Belge, et c'est vrai que là, je me retourne et j'ai cette image, que je ne peux plus voir d'ailleurs, de son corps sous un drap blanc, quoi, qui sort de ce bar. Et là, je réalise que c'est fini. Et en même temps, je ne réalise pas parce que mon père, pour moi, était devenu intouchable. À 54 ans, il avait échappé à tant de choses. Et j'avais une vision de sa vie. Il était marié, il avait un petit chien, enfin, vraiment une vie... Je savais qu'il avait un appartement aux Champs-Élysées, une vie rangée pour moi, puisque j'en avais des visions de lui très brèves à Marseille, en secret. Donc il était impensable pour moi qu'on l'ait assassiné à 54 ans. Heureusement, vous lui aviez pardonné avant. Oui. Heureusement, oui. Parce que sinon, ce serait quelque chose, dur, les sentiments seraient confondus. Ouais. C'est ce qui est plus difficile, parce qu'on s'était retrouvés et on avait encore des choses à vivre, à rattraper. Sentimentalement, sûrement, oui. Mais pour vous construire, je pense que c'est... Mm. Il me semble que c'est mieux comme ça. Oui. Quelle est la dernière phrase du livre que vous avez écrit sur votre père, vous aussi, Marie? La dernière phrase, c'est « Adieu, monsieur, tu peux dormir tranquille ». Voilà. Ça veut dire que vous lui avez pardonné? Ça veut dire que... oui, en tout cas, je l'ai compris. Sophia, comment vous avez peu à peu accepté le métier de votre mère? Bah avec le temps, les années, l'âge, comme on comprend, on passe des caps. Et ma mère a écrit un livre. Elle aussi. Ouais, je l'ai lu à moitié, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas non plus envie de savoir, ouais, exactement. Et maintenant, moi, je suis moi-même maman, hein, j'ai 2 enfants, donc je peux comprendre qu'à une certaine période de notre vie, on a du mal quand on est seul à élever des enfants, qu'on n'a pas l'argent, qu'il faut de l'argent vite. Donc, Est-ce que vous pensez qu'elle avait vraiment le choix? Je ne pense pas qu'elle avait vraiment le choix à l'époque. Elle travaillait à l'usine, elle arrêtait de travailler, mon père ne travaillait pas. Elle s'est retrouvée face à une petite annonce où elle pouvait être hôtesse dans les bars. Ça, c'est à la suite quand j'ai parlé avec elle. Donc, elle s'est retrouvée face à... À quel âge vous en avez parlé avec elle? Vous aviez quel âge, vous, à l'époque? Allez, quand on a réellement commencé à en parler, donc il y a eu le moment de colère et là ça explose complètement. Et après il y a les conversations qui se mettent petit à petit. Donc moi j'ai eu mon premier fils à 23 ans et ça a commencé à se développer. Quand vous êtes devenue maman à votre tour. Voilà, ouais. Oui. Est-ce qu'on peut avoir honte de quelqu'un qui n'a pas vraiment eu le choix? Après réflexion et après maturité, on
Enfin, moi, je lui éprouve plus de honte, hein, malgré que j'aille la perruque et les lunettes, c'est pour protéger, enfin, c'est pour les autres de ma famille. Je sais pas si on peut appeler ça de la honte ou pas. Je sais que, voilà, à un moment donné de sa vie, elle a pas eu le choix, elle l'a fait. Je vais pas lui en vouloir toute ma vie de toute façon, hein. C'est fait, c'est là et je vis avec. Vous l'aimez? Ma mère? Mmh. Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment, c'est ma maman, quoi. Ce qu'elle a fait pour moi, je sais qu'il y a à peu près 2 femmes sur 10, grosso modo, qui se prostituent. 2 femmes sur 10? Bah, je sais pas, hein, j'ai dit à peu près, quoi. Après, ça fait beaucoup, là. Je ne connais pas les statistiques, mais là, ça fait 1 sur 5, donc... Alors, j'en connais plus que je ne le pense. Désolée. Enfin, en tout cas, pas mal de femmes qui ont eu ce seul recours pour pouvoir s'occuper de leur famille. Et généralement, ce sont des femmes qui sont mamans, évidemment, et qui sont dans la grande majorité dans le désarroi. Suzanne, quelques conseils concrets, peut-être pour ceux qui ont honte de leurs parents et qui voudraient dépasser ce sentiment? Oui, je pense qu'il y a 3 conseils. Déjà, je pense en parler. Oser en parler ou oser écrire un livre. Alors, en parler à une amie, en parler à un psy, en parler, en tout cas, c'est sortir du tabou. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois qu'il faut remettre des fois en place certaines croyances. C'est vrai, une maman, ça fait des gâteaux, c'est à la maison, ça fait ceci et cela. Un papa, c'est protecteur. Donc, remettre en cause l'image d'Épinal, quoi. L'image idéalisée des parents. Ben, non, il y a des parents qui ne sont pas comme ça, voilà. On n'est pas tous idéalisés. Et puis, l'autre conseil, ça serait peut-être de transformer la honte en autre chose, parce qu'il y a un deuil à faire quand on a un parent qui transgresse des normes comme ça, c'est qu'on n'a pas un parent idéal, donc il faut faire un deuil de ce parent idéal, et puis sentir qu'on peut être aussi triste, qu'il y a autre chose que la honte et la fuite, on peut être triste. De l'embarras, c'est-à-dire quelque chose, oui, c'est pas rien non plus, quoi. Voilà, c'est pas rien, mais on est un peu embêté, mais... Voilà, on n'est pas... Et puis, ce que Sylvie disait, c'était très important, parce que je pense qu'il y a une grande réparation dans ce qui s'est passé. Vous avez réparé chez lui l'image de la femme. Et je pense que je ne connais pas la vie de votre père avant l'âge de 16 ans, mais je crois qu'il a dû avoir des relations assez tumultueuses avec sa mère. Sinon, il n'aurait pas eu cette image-là. C'est une mère très, très, très forte, très, très présente, étouffante même. Voilà, qui a dû l'humilier, donc il s'est vengé sur les femmes. Mais il l'adorait, hein, il l'adorait. Ah, mais oui, mais plus on est maltraité, plus on est collé, on le sait bien. Hein. On adore le parent qui nous maltraite, mais ce n'est pas une adoration d'amour, c'est autre chose de psychique. Et la réparation, c'est important. Hein. Écrire, changer quelque chose dans justement la transmission transgénérationnelle autour de l'image de la traîtrise, devenir honnête, etc., etc. Essayer d'être le plus possible en accord avec soi-même, c'est le chemin que chacune a fait ici, que Sylvie a très bien exprimé il y a quelques minutes, même si pour les enfants de la honte, parfois ça doit passer par de la rupture, comme ça a été le cas pour Stéphanie, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. C'est Albert Camus qui disait « il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Chacun se débrouille, mais on a le droit tous au bonheur. Bonne route à tous, merci, à la prochaine fois.